Coloré, surprenant, surréaliste et complètement loufoque, la web-série The Amazing Digital Circus connaît aujourd'hui la plus grande influence jamais connue dans le monde des séries d'animation indépendantes. Avec pas moins de 318 millions de vues sur YouTube, cette création originale explose tous les records en termes de popularité, de chiffres et de réactions en tout genre. C'est le phénomène du moment dans le monde de l'animation, du moins aux États-Unis ou dans les autres pays anglophones. En France, la série est suffisamment connue pour que vous en ayez déjà entendu parler, mais peut-être voudriez-vous en savoir plus, n'est-ce pas? Alors, The Amazing Digital Circus, on va voir ça tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, pour ceux qui auront suivi mes aventures, ça y est, j'ai enfin déménagé de Paris. Me voici donc en Haute-Savoie avec un tout nouveau chapitre de la chaîne et un nouveau décor, assez similaire à l'ancien pour pas trop vous dépayser. Bref, ça fait plaisir de vous retrouver, on va pouvoir reprendre le rythme normal des vidéos. Mais tout d'abord, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le monde de l'animation vous plaît. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Bien, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous connaissez le sujet d'animation que je vais traiter et que vous voulez en savoir plus, ou alors cet univers vous est totalement inconnu. Dans tous les cas, je serai votre hôte dans votre aventure, mais d'abord, je vous embête deux petites minutes avec le partenaire du jour qui n'est pas vraiment une collaboration commerciale. Vous allez vite comprendre. Ça peut intéresser beaucoup de monde parmi vous, en particulier les futurs étudiants. Il s'agit encore une fois de l'Institut Artline et je vous en parle maintenant. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur le phénomène Hasbin Hotel, je vous ai parlé de mon nouveau rôle en tant que partenaire créatif. On rappelle, Artline, c'est une école 100% en ligne, accessible de n'importe où et n'importe quand. Les formations sont à la portée de tous, sans diplôme et dès l'âge de 16 ans. Le processus de sélection se concentre surtout sur la motivation et les projets des candidats. L'Institut Artline propose une prépa art, un cursus animation 2D 3D, un cursus design et un cursus game. Vous avez donc l'embarras du choix pour une potentielle carrière dans le domaine digital et artistique. Durant ces années d'études, vous êtes accompagné par des mentors, des professionnels travaillant principalement dans des studios de haut niveau et de grandes entreprises dans l'audiovisuel telles que Netflix par exemple. Cette école en ligne fait d'ailleurs partie du top 50 mondial, des meilleures écoles de médias créatifs et de divertissement du classement The Rookies. L'Institut Artline assure plusieurs rentrées en cours d'année, celles de septembre, novembre, février et mars. Alors, pourquoi je vous parle des rentrées de l'école justement? Tout simplement car ce 25 mai 2024 va se tenir la journée portes ouvertes afin d'inviter tous ceux qui le souhaitent à se pencher sur les différents cursus de l'école et à potentiellement s'inscrire. Au programme de cette journée, découverte des différents cursus, échanges privilégiés avec les mentors ainsi que d'anciens apprenants de l'école qui partageront leur expérience. Et enfin, une partie de cette journée sera consacrée à un live en direct où je pourrai m'adresser à vous, futurs apprenants. Je pourrais alors raconter mon parcours dans le domaine de l'animation et peut-être, qui sait, donner envie à certains de se lancer dans l'aventure. Mais bref, en clair, retenez bien ces infos. La journée portes ouvertes se tiendra ce samedi 25 mai à 10h sur la plateforme Discord. La participation à cet événement en ligne, bien sûr gratuit, nécessite tout de même une inscription. Ça tombe bien, je vous partage le lien disponible dans la première ligne de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. J'espère vous y voir nombreux. Sur ce, merci encore à l'Institut Artline pour leur soutien envers mon travail et bonne vidéo à tous. Bien, maintenant que je vous ai partagé mes activités hors YouTube, il est temps de vous parler de cette fameuse web-série retournant tout internet et les réseaux sociaux depuis son apparition il y a quelques mois déjà. Qui se cache derrière cette création? Qu'a-t-elle engendré au sein des fans d'animation indépendante? Et surtout, est-ce que j'ai kiffé? On va voir ça tout de suite. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans cet univers clownesque et coloré avec le phénomène The Amazing Digital Circus. Générique. Comme d'habitude, avant de nous plonger dans la série en elle-même, j'ai toujours à cœur de vous partager un peu de contexte sur l'œuvre en question.
The Amazing Digital Circus, ou en français l'incroyable cirque numérique, est donc une web-série d'animation indépendante produite par Glitch Production, un studio d'animation australien. Fondé en 2017 par les deux frères Luke et Kevin Lerdwishagul, le studio, anciennement appelé Glitchy Boy, voit sa popularité monter en flèche de par ses web-séries d'animation 3D, telles que Meta Runner en première création originale, suivie de Sunset Paradise, et les deux plus connus Murder Drones, et enfin The Amazing Digital Circus. Et comme j'aime bien creuser le sujet et me rajouter du travail, on va se concentrer quelques instants sur un des frères en particulier, Luke Lerdwishagul. Youtubeur de plus de 8 millions d'abonnés, propriétaire de la chaîne SMG4, acronyme de Super Mario Glitchy 4, il crée sa toute première web-série du même nom à l'âge de 11 ans. Déjà une graine d'artiste. Moi, à 11 ans, je jouais aux billes tout seul dans la cour de récréation. Mais bref, c'est pas le sujet. Il commence donc à réaliser des vidéos dès 2009 et upload sa première création en 2011 alors que la plateforme commençait à devenir populaire. Se centrant surtout sur des parodies et du shitpost autour de l'univers de Super Mario 64, la chaîne grossit et attire une certaine communauté de fans, en général des adolescents et de jeunes adultes, très friands d'humour absurde, grossier ou gore. Les années passent, Luke fait son petit bonhomme de chemin avec ses conneries sur YouTube, jusqu'à ce qu'en 2016, son frère aîné Kevin, sentant le potentiel énorme qu'a engendré la chaîne SMG4, propose de créer une sorte d'entreprise autour de ça, afin qui sait de capitaliser dessus, et potentiellement lancer une carrière en duo en tant que producteur, réalisateur et écrivain. Chose qui ne se faisait pas énormément encore, du moins pas de cette ampleur. Ainsi, en 2017, est postée une vidéo communicative comme il a l'habitude de faire sur sa chaîne, mais cette fois-ci pour annoncer la mise en place de Glitchy Boy, leur toute nouvelle entreprise, et le début d'une aventure basée sur la création d'animations indépendantes sur Internet. J'aurais pu rentrer dans tellement de détails et d'événements supplémentaires, mais on a du pain sur la planche, et je compte réserver ça à une potentielle vidéo sur Glitch Production, comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne avec mes histoires de studio. Ça pourrait être sympa. Donc, on passe toute la timeline 2017-2023 concernant la chaîne SMG4, Meta Runner, Sunset Paradise, Murder Drones, pour se consacrer pleinement à notre série du jour. Après, j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous voulaient que je parle de Murder Drones, juste pour vous dire que je ne l'ai pas encore visionné, mais si j'aime bien, pourquoi pas en faire une vidéo phénomène dans la même veine que celle-ci. Mais bref, j'aimerais maintenant m'attarder sur une troisième personne, pilier dans la création de la série, et cette personne c'est Gooseworks. Gooseworks, de son vrai nom Cooper Smith Goodwin, est une artiste américaine, productrice musicale, animatrice et écrivaine de webcomics. Elle possède elle aussi une chaîne YouTube, active depuis 2010, proposant des remakes et des créations musicales. Elle enchaîne les vidéos 2010, 2011, 2012 et oh qui voilà-je, Zoophobia Theme. Ne serait-ce pas là le tout premier univers créé par l'artiste Viv Zipop? Et oui, vous verrez que la vie professionnelle de Gooseworks est intimement liée à celle de Vivienne Medrano, l'artiste derrière les célèbres séries d'animation Has-Been Hotel et Iluva Boss. Vous avez dû les voir passer sur la chaîne, je vous mets les liens dans la barre de description. On a donc en premier temps la soundtrack de Zoophobia, puis celle de Timber, le tout premier court-métrage de la chaîne de Viv Zipop, et même de nouvelles miniatures dessinées par cette dernière, comme pour signifier une amitié naissante entre les deux artistes. Gooseworks se professionnalise de plus en plus et surfe sur des tendances fortes d'internet, comme le jeu vidéo indépendant Undertale ou encore Overwatch côté Blizzard, sans oublier ses créations originales ou ses remixes de mèmes célèbres. Tout se passe bien pour elle, du moins professionnellement. Elle devient principalement connue sur internet grâce à ses remixes de jeux vidéo ou web-séries, mais elle anime aussi plusieurs courts-métrages comme Little Runmo en 2019, Eline the Bounty Hunter en 2020, et mon préféré Ghost of the Year en 2021. Vraiment, allez voir son travail, ça vaut le détour. Surtout pour l'humour absurde et le comique d'animation hyper bien maîtrisé. And he's dead.
Elle se lance également dans le webcomic avec sa création Horde of Heroes. Succès garanti avec pas moins de 176 000 vues et une note de 9.9 sur 10. On est donc sur une artiste dont le travail est plus qu'apprécié par sa communauté. Et si je vous parle d'elle, c'est parce que grâce à son travail et ses remixes, ses animations, son univers et sa persévérance, elle se retrouva à la co-réalisation et la composition de la bande originale de Hazbin Hotel, qui, je le rappelle, s'est vue diffusée par des centaines de milliers de personnes sur Amazon Prime. On est déjà sur une sacrée success story. Mais attendez, ça n'est pas fini. Gooseworks s'est également fait approcher par un studio. Et je peux enfin relier les ficelles de notre histoire. Il s'agit de Glitch Production. Glitch ayant déjà pas mal d'expérience avec des créateurs indépendants, les deux frères proposent à Gooseworks de leur soumettre un scénario de court-métrage. Elle se met alors au travail en s'inspirant principalement de la nouvelle de science-fiction post-apocalyptique I Have No Mouth and I Must Dream de l'écrivain Harlan Ellison, une lecture ironiquement sombre et assez particulière. Je n'ai que très peu d'infos concernant le processus créatif de Gooseworks concernant le scénario, mais une chose est sûre, parmi les trois propositions soumises à Glitch Production, une a été retenue du nom de The Amazing Digital Circus. Basée sur une inspiration des œuvres numériques des années 90 début 2000, où les limitations technologiques rendaient les œuvres parfois mauvaises, voire effrayantes. La production débute en 2022, mais l'année à retenir reste définitivement 2023. Et ce, pour plusieurs événements majeurs de l'histoire de la série. La toute première apparition du projet est dévoilée le 17 janvier 2023 sur le Twitter de Gooseworks avec une image d'un dentier, un clown et un message avec écrit « It's coming ». Jusque-là, une annonce assez mystérieuse et peu concrète, laissant sa communauté assez perplexe. S'enchaîne avec un autre post le 21 janvier d'un screen d'humain en 3D que vous aurez bien sûr reconnu. Et c'est drôle de voir les toutes premières interactions avec le public qui se demande bien ce qui se passe. Enfin, un post vidéo le 26 janvier avec une sorte de menu de jeux vidéo PC Windows 95 avec comme titre The Amazing Digital Circus. Là, les gens sont en furie. Ils ont bien deviné que quelque chose de gros arrivait. Et ils avaient raison. Car le lendemain de ce post Twitter sort alors le teaser surprise de The Amazing Digital Circus. En tant qu'écrivaine et créatrice du projet, Gooseworks se permet d'annoncer en avance le teaser de la série. Mais à l'époque, on n'en sait pas plus pour le moment. Est-ce un énorme projet complet ou est-ce ce qu'on a l'habitude de voir chez Glitch Production, c'est-à-dire un pilote pour voir d'abord la réaction des fans? Dans la description de la vidéo teaser, on peut lire « Glitch et moi avons travaillé sur un pilote animé en 3D qui raconte l'histoire d'une IA malveillante qui tourmente sans relâche 6 âmes humaines et leur fait vivre des aventures amusantes. Écrit et réalisé par moi !» Oui ! Mais également... Un grand merci à Temur Toons pour l'animation de ce petit teaser. Kevin Temur est tout simplement un animateur senior de renom, ayant travaillé chez Blue Sky Studio ou encore Sony Interactive Entertainment. Il n'est pas inconnu des fans de Glitch, car on le retrouve dans la production de Murder Drones. Il est reconnu sur internet pour ses créations animées, dont la musique et les voix sont également faites par ses soins. Platypus, I'm sure you've noticed the effects of my 3D DNA doll. Je reviendrai très vite vers lui plus tard, car il va permettre d'illustrer un peu l'aspect technique de l'animation de la série. Sort ensuite sur la chaîne de Gooseworks une vidéo intitulée Meet the Gang, présentant les personnages principaux de The Amazing Digital Circus. On fait donc la connaissance de Kane, une IA se présentant comme le maître de piste du cirque, inspiré du jouet pour enfants des années 80, Mr. Mouthy Mouth, voire potentiellement de Quaker Jack, un méchant propriétaire d'une entreprise de jouets du dessin animé Mr. Mask. On a également Ragata, une poupée de chiffon très inspirée de Raggedy Andy, un personnage paru en 1918. On a Jax, un lapin violet, inspiré de Poppy the Performer, car Gooseworks est fan de la série et voulait un lapin psychopathe comme lui dans le show. On a Gangle, un masque de théâtre sur son corps de ruban, elle aussi inspirée de Poppy the Performer avec le personnage de Keda Mono. On a Kinger, une pièce d'échec du roi, Bubble, une bulle vivante au service de Kane, et enfin Zubble, tiré directement du personnage original de Gooseworks qui a l'habitude de beaucoup le dessiner sur ses réseaux. On a donc un teaser, un petit synopsis confirmant bien son inspiration envers la nouvelle I Have No Mouth and I Must Scream,
désolé, c'est dur à dire, ainsi qu'un aperçu des premières personnes travaillant directement sur la prod de la série. C'est alors au tour de Glitch Production de jouer ses cartes. Le 1er septembre 2023, la chaîne annonce Glitch X, une exposition d'animation indépendante prévue pour le 9 novembre 2023. Une annonce sous forme de vidéo sur leur chaîne YouTube. Le même mois de l'annonce sort le trailer officiel de la websérie. Oui, je dis bien officiel, parce que bon, elle a été certes imaginée et réalisée par Gooseworks, mais elle reste la propriété de Glitch Production. Avec 26 millions de vues aujourd'hui, on sentait d'avance que cette série allait devenir un sacré phénomène. Welcome to the amazing digital circus! My name is Kane, I'm your ringmaster, and I'm here to show you the most jaw-dropping, heart-stopping, mind-bending paraphernalia you've ever laid your eyes upon! On laisse maintenant de côté l'artiste Gooseworks pour se concentrer pleinement sur Glitch Production, car mis à part la vidéo de la bande originale de la série qu'elle a bien sûr composée, on n'a plus vraiment de nouvelles d'elle sur la chaîne YouTube depuis, sûrement très occupée par son projet. On peut suivre ses aventures via les réseaux sociaux que je vous mets dans la description. Quoi qu'il en soit, nous sommes un mois avant l'exposition d'animation indépendante Glitch X organisée par le studio, et il est temps de sortir le premier véritable fruit de tous ces mois de travail, le pilote de The Amazing Digital Circus. Circus que je vais maintenant nommer en français l'incroyable cirque numérique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé un casque bizarre et maintenant je suis ici. Vous êtes qui au juste? Pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Je suis où? Énorme succès sur tous les plans. Accueil public quasi unanime, explosion des fans chez Glitch Prod, l'incroyable cirque numérique est un carton plein et rentre directement dans la case phénomène d'internet avec un compteur de vues de 318 millions à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça n'a jamais été atteint auparavant sur YouTube pour une série d'animation indépendante. On est presque sur la population entière des États-Unis en termes de chiffres. Ça donne le vertige un peu, hein. La machine est officiellement lancée. Glitch Prod enchaîne avec une campagne de produits dérivés destinée entièrement au financement de la série. En effet, les deux fondateurs du studio ont déclaré ne pas vouloir diffuser la série hors YouTube pour pouvoir garder un contrôle créatif total sur leur production. Ils ont tout de même des partenaires plus conséquents comme Epic Games ou AMD Computers. On a donc une création totalement originale, sans limite créative, parlant pleinement à une branche de la population, comprenant les codes d'internet, mais également les enfants, pouvant être attiré par l'aspect très coloré de l'univers et la bande son cartoonesque. Mais en contrepartie, forcément une plus grande attente à prévoir entre chaque épisode, ce qui est tout à fait normal et ce qui au final n'apporte que du bon pour le lore de la série. Chapito, c'est ici que tu vas vivre et t'adonner à toutes sortes d'activités amusantes. Parmi ces activités, il y a... Fort de son succès, l'incroyable cirque numérique confirme son développement par une deuxième vidéo animée, cette fois-ci plus courte et servant d'annonce aux spectateurs. Une vidéo à plus de 50 millions de vues quand même. On est clairement sur une hype totale. Puisque le pilote de The Amazing Digital Circus a atteint son objectif d'une vue, il devient dès à présent l'épisode 1 de The Amazing Digital Circus, la série! Et enfin, est annoncé il y a tout juste un mois le trailer de l'épisode 2, sorti quant à lui il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Un épisode 2 ayant encore plus retourné internet en termes de réactions à chaud, de fan art, de théories, de hype, et de nouveaux fans arrivant des quatre coins de la planète, dont la France qui s'intéresse de plus en plus au projet, notamment grâce à la sublime VF que je vous fais écouter depuis l'extrait du pilote de la série. Bref, un épisode 2 encore plus fou que le premier, aujourd'hui à 70 millions de vues, dont 30 rien que le lendemain de sa sortie. C'est juste colossal. C'est parfait, surtout ne bouge pas, je vais chercher un truc. Ah, voilà. Allez, Pommy, reste comme ça, je vais traverser sur toi. Je te demande pardon. Et nous voilà aujourd'hui. 2 épisodes sortis, une campagne de financement, un phénomène qu'on a rarement connu, à part du moins Has-Been Hotel, mais pour le coup, cette série a été propulsée par Prime Video, ça aide pas mal. Maintenant, je suis à un stade où, comme de très nombreux autres fans, j'attends avec impatience l'épisode 3, même si je sais qu'il n'arrivera pas avant plusieurs mois logiquement. Mais en attendant, que diriez-vous que je vous partage un peu mon avis sur la série, comme j'ai l'habitude de faire? Si ça vous intéresse alors, c'est parti. Welcome to your new home. What do you mean?
l'incroyable cirque numérique suit l'histoire d'un groupe d'humains piégés dans ce qui s'avère être un monde virtuel, composé de plusieurs niveaux distincts, dont le principal est un immense chapiteau de cirque, tenu par Kane, un personnage artificiel et maître des lieux. On rencontre alors une jeune femme, se retrouvant dans ce monde après avoir porté un casque de réalité virtuelle. Elle se voit attribuer le nom de Pomni, car dans ce monde, personne ne se rappelle de son prénom. Ainsi, en compagnie de Ragata, Jax, Gangle, Kinger et Zubble, Pomni n'a pas d'autre choix que de suivre les instructions farfelues de Kane dans des aventures servant surtout aux pensionnaires du cirque à ne pas perdre la boule. Voilà, en très résumé, le synopsis du pilote. Mais qui peut aussi s'appliquer au reste de la série pour l'instant, avec juste le lieu de l'aventure qui change. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, on est en face d'un sacré morceau, chers amis. Qui aurait pu deviner qu'une série d'animation au design si primaire allait connaître le succès en si peu de temps? Et c'est totalement mérité et justifié. Pour la communauté française, qui ne serait pas familier avec l'univers de l'incroyable cirque numérique, laissez-moi d'abord vous parler de la distribution, car j'estime que nos voix françaises ont fait un travail remarquable qui mérite toute notre lumière. Ça vous donnera l'occasion de poser un visage sur les personnages que vous découvrirez au fil de la série si vous la matez en français. Faisons un tout petit tour sur le compte Twitter de The Amazing Digital Circus FR et découvrons nos voix une par une. On a donc Salomé Mallier, interprète de Pomni, Yann Abiven pour Kane, Benoît Forjunka pour Jax, Meirig Truchot pour Ragata, Arnaud Capostagno pour Kinger, Morgan Bréhamel pour Zubble, Mathilde Kermes pour Gangle et enfin Anna Lozeray-Guichy pour Bubble. J'ai maté les épisodes en VO puis en VF et même si la version originale est logiquement meilleure, la VF n'en est pas moins qualitative et n'a aucune raison de la jalouser. We don't exactly... You can't. What? Shut up, Jax. But yeah, he's right. Welcome to your new home. On est... comment dire ça? Coincé! Quoi? La ferme, Jax. Mais ouais, il a raison. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Dans tous les cas, vous pouvez regarder cette série dans 18 langues différentes. Tu m'étonnes qu'elle ait fait un carton plein en termes de vues. Cet épisode pilote nous apporte beaucoup de contexte au scénario et aux enjeux globaux de la série. Le tout parce que traverse Pomni, qui aurait pu tout à fait être à notre place de spectateur derrière notre écran, si elle n'avait pas enfilé ce fameux casque de réalité virtuelle. On y découvre un maître du jeu totalement déjanté, accompagné de son assistante Bulle, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et donc, comme Pomni à la découverte de ce nouveau monde, on se retrouve avec bien trop de questions que ce premier épisode ne saurait répondre. On se sent perdu dans un sentiment à la fois de confort avec cet univers chaleureux et enfantin, mais aussi de profond malaise comme Pomni, qui n'arrive pas à se détacher de son nouveau corps, comme un costume en latex collé à sa peau. Quant aux autres pensionnaires humains dans leur corps numérique, ils ont l'air d'être là depuis suffisamment longtemps pour adopter leurs différents caractères et leur appréhension de la folie qui pèse sur eux. Et au bout du compte, tu finis par te questionner sur le sens de la vie, et puis tu commences à perdre de vue ton identité, ta raison de vivre, et si tu finis par craquer, il peut se passer des choses vraiment terribles. Vous l'aurez sûrement remarqué, dans les séries d'animation indépendantes, en général sous pleine liberté créative, la force principale réside dans le traitement des personnages. Dans l'incroyable cirque numérique, ils ont pris le risque d'en mettre beaucoup d'un coup. Et même s'ils ne sont pas tous exploités à la même échelle dans cet épisode pilote, on sent tout de même que chacun aura le droit à son moment plus profond. Ici, on se centre bien évidemment plus sur Pomni, mais également sur Kane, servant de guide introductif à cette toute nouvelle aventure animée. L'aventure du jour s'appelle... Capturer les Gloinks. Dans cette toute première aventure, Kane envoie le groupe arrêter une infestation de créatures appelées Gloinks, volant les éléments de décor. Cette mini-quête fait séparer le groupe en deux, d'un côté Kinger, Zubble et Gangle allant enquêter sur les dites créatures, de l'autre Jax, Ragata et Pomni allant chercher un septième personnage, bizarrement absent du générique du début d'épisode. Ce personnage, c'est Kofmo, une inspiration directe du personnage Coco le clown. On découvre que celui-ci a totalement sombré dans la folie et s'est transformé en une sorte de créature dématérialisée, abstraite et cauchemardesque, faisant de lui la principale menace de cet épisode. On y voit dans sa chambre des centaines de gribouillis montrant qu'il n'existe aucune sortie à ce monde. Information n'aidant pas à la santé mentale chambranlante de notre nouvelle arrivante Pomni. Heureusement que tout ceci n'est qu'un rêve, pas vrai Pomni ?
On découvre donc que ce petit monde virtuel, attrayant et coloré, ne renferme que souffrance, douleur et folie, mais sans virer non plus dans du gore ou de l'obscénité, attention, ça reste un show tout public. Mais outre les personnages super bien travaillés dans leur caractère, j'aimerais relever ce qui pour moi est la plus grande force de la série, son animation. Vous aurez remarqué la direction artistique 3D assez primaire, mais complètement assumée des créateurs. Des personnages et des décors saturés de couleurs, en low poly, c'est-à-dire en basse résolution, des bugs de texture, de modélisation qui se pénètrent entre elles, de glitches 3D comme 2D, le tout pour nous rappeler cette esthétique unique des jeux vidéo de notre enfance, des jeux colorés et tout public comme Super Mario Sunshine, Spyro ou encore Pikmin. Des jeux ne pouvant nous offrir mieux en termes de résolution d'écran, de gamme colorimétrique et de poids des assets, tout simplement dû à la barrière technologique de l'époque. Eh bien, l'animation est là pour casser tout ça avec une fluidité remarquable. Ça en est presque dérangeant de voir tous ces éléments d'aussi basse facture et texturés en vitesse être aussi bien animés. Ça nous permet de rester ancrés dans un contexte actuel et de ne pas trop rester coincé dans une nostalgie passée. On est bien dans un monde virtuel moderne, à base d'IA, de casques de réalité augmentée et aux références méta sur les codes d'internet d'aujourd'hui. L'animation de qualité nous est servie par le lead animateur Kevin Temer, dont j'ai déjà parlé plus tôt, qui nous fait l'honneur de nous partager ses shots d'animation sur sa chaîne YouTube. Allez regarder son travail, ça vaut vraiment le coup si vous voulez comprendre comment la série a réussi à mettre en scène ses personnages loufoques. Le choix d'une direction artistique cartoonesque a d'ailleurs permis aux animateurs un travail d'exagération qu'ils n'auraient pas pu exploiter ailleurs, permettant aux personnages de partir dans tous les sens au gré des différents bugs du monde virtuel de l'incroyable cirque numérique. Now, ladies and gentlemen, Pomni here is gonna perform something you've never seen before! Encore une fois, ce fameux mélange entre direction artistique cartoon coloré et son animation, ses dialogues parfois plus profonds qu'on ne le pense, et tous les mystères qu'entourent ce monde virtuel, permet à la série de s'exporter partout et à tout âge. Plusieurs niveaux de lecture, tout le monde y trouve son compte. Mais si vous le voulez bien, je vais me concentrer sur mon interprétation de jeune adulte. Comprenant tous les enjeux socio-technologiques de la série à notre âge, on ne peut que ressentir du soutien envers Pomni et les autres résidents, ainsi que de la méfiance pour Kane, qui pourrait bien être l'antagoniste principal, bien qu'il a l'air contrôlé par une entité plus grande que lui, car ses pouvoirs, au premier abord infinis, se voient finalement restreints à la limite de la map du jeu. Voici le vide! Nous ne nous aventurons pas dans le vide. Même moi, je n'en connais pas le contenu. La mise en scène, les plans de caméra, le montage, les intentions de cadrage, tout nous pousse à une sorte de claustrophobie dans ce monde virtuel si vaste, mais à la fois si clos. La scène des portes de sortie infinies nous rappelle une sorte de niveau des backrooms où peu importe nos efforts, il n'y a aucune échappatoire. Ça me rappelle un peu le film d'animation Carnival sorti en 1999, racontant l'histoire d'une bande de préadolescents coincés dans un immense parc d'attractions. Je sais pas si ça vous parle. Kane nous pousse constamment à relativiser, à se détendre le plus possible, à profiter des joies de ce circuit virtuel. Mais à quel prix si tout n'est qu'illusion? À quel prix si nous n'avons même pas le besoin de dormir ni de manger? Quel est le but de cette prison d'immortalité où les deux seules fins possibles sont soit de suivre son quotidien d'aventure, soit de sombrer dans la folie et finir dans la corbeille sombre et profonde des codes sources du jeu. Allez, oust, direction la cave! L'épisode est truffé de détails, rajoutant en plus de questions et encore plus de profondeur sombre à cet univers. Qui sont ces personnages dont les portraits ont été barrés sur la porte de leur chambre? Ont-ils fini dans la corbeille comme Kofmo? Pourquoi Pomni voit autant de portes de sortie? Pourquoi Kane a l'air d'être autant embarrassé par ce qu'il se passe en dehors du cirque? Que fait Pomni dans ce niveau étrange? Est-il censé exister d'ailleurs? Pourquoi Kane aurait laissé ce niveau disponible? Que veut dire CNA? Est-ce l'entreprise dans laquelle Pomni bosser avant d'être aspiré par son casque?
Enfin bon, je ne vais pas m'étaler 4 ans sur ce premier pilote. Juste pour vous dire qu'il m'a mis une sacrée claque d'entrée de jeu et que je n'avais qu'une hâte à découvrir la suite et surtout avoir des réponses à mes questions. Heureusement, on a eu une suite il y a quelques jours pour mon plus grand bonheur. Mais avant, je voulais faire un léger crochet sur la vidéo officielle d'annonce qui mérite aussi le détour. Cette mini vidéo de 3 minutes casse complètement le quatrième mur et s'adresse directement aux spectateurs concernant l'avancée de la série, la mise en place des produits dérivés et la réaction des personnages de la série envers le torrent de hype de la communauté. C'est quoi ce putain de truc ? Les conséquences de nos actes. Et prépare-toi parce que ça va ne faire qu'empirer. J'aime vraiment beaucoup la façon dont ils ont décidé de totalement sortir de l'histoire pour s'adresser à nous, comme pour créer encore plus de liens de proximité. On pourrait presque convenir que les personnages sont des acteurs de leur série, et qu'ils passent juste nous faire coucou pour promouvoir leur merch. Et ça marche puisque la série a été massivement financée par les fans. C'est une très bonne chose quelque part. C'est aussi ça le pouvoir de l'animation indépendante. Je me transformerai même en pins pour pouvoir financer plus de publicité fin. Comme ce Pins Bubble. Et ce Pins Momni. Sans oublier bien sûr ce... Moi en peluche. On passe désormais à l'épisode 2 de l'incroyable cirque numérique, qui pour moi est encore plus complet et divertissant que le premier. Oh, fini la détente les gars. Ils ont envoyé quelqu'un à notre os. Sorti ce 4 mai, cet épisode met en scène notre petite troupe partant cette fois-ci à l'aventure dans le Candy Canyon Kingdom afin de récupérer un camion citerne de sirop d'érable volé par des bandits, ressource indispensable au royaume, dirigé par la princesse Lula Lilu. On y fait donc sa rencontre, doublée par Amandine Chacun, mais également celle des trois bandits, Gumigou, doublé par Laurent Plampin, Chad par Victor Niver et Max par Lenny Royer. Un épisode aux inspirations Mad Max Fury Road, séparé en 3 parties distinctes, la quête principale remplie d'action et d'humour, la database ou le dépôt d'assets, bien plus lent et apportant plein de nouveaux éléments de ce monde. Et enfin, la résolution, liée à l'épisode précédent, pleine d'émotions et d'un sentiment fort de progression dans l'intrigue de la série. J'ai adoré ce deuxième épisode. Il est à la fois plus fun, plus drôle, mais aussi plus émotionnel et plus dur. Logique, car l'épisode pilote nous a donné les clés de compréhension nécessaires pour mieux l'appréhender. En tout cas, ça n'a pas manqué. Les fans se sont déchaînés et ont exprimé leur immense joie face à la qualité de cette série, en particulier envers les nouveaux personnages PNJ comme Gumigou, devenu le centre d'intérêt de tout le monde en 2 jours. Faut dire qu'il ne manque pas de charisme et son rôle est vraiment important dans ce deuxième épisode, surtout par rapport à Pomni. L'épisode nous propose encore une fois un univers simpliste et coloré, bien que le royaume du canyon en sucre semble bien plus travaillé que le cirque. L'animation est toujours aussi incroyable, avec des détails de mise en scène uniques, comme la référence à Pepino dans le jeu Pizza Tower, la référence au film d'animation perdu à Neandy avec l'énorme monstre en chocolat, des théières volantes, référence à la célèbre théière de Luta, un modèle très souvent utilisé dans la synthèse d'images 3D, qui est devenu un objet standard de référence dans la communauté des 3D. Des artistes, une private joke en gros, et plein d'autres mouvements d'animation aux petits oignons. Ma scène préférée se déroule sous la map avec Pomni et Gumigou découvrant son rôle de PNJ dans ce monde et perdant alors tout sens de son existence. Il y a même une ligne de dialogue par rapport à sa mère qui m'a glacé le sang. Et j'ai grave kiffé l'idée qu'on mette enfin en avant les sentiments d'un PNJ. Non seulement l'expression de leurs sentiments, mais aussi que eux-mêmes aient conscience de leur existence et de leur rôle dans ce monde. Une partie de l'épisode bien plus profonde, qui je suis sûr a divisé les spectateurs entre les plus jeunes et les adultes, comprenant bien plus les codes du jeu vidéo et du numérique en général. Appréciation d'autant plus grande pour ma part, qui connaît les codes du cinéma d'animation. Pourquoi tu me remontes le moral ? Je crois que je veux juste pas que tu te sentes inexistant. À vrai dire, je souhaite ça à personne. Mais je suis même pas une personne. Ça se ressent clairement dans la barre de lecture de l'épisode d'ailleurs. Clairement, je sens que cette série va de plus en plus se détacher de son public enfantin pour se diriger pleinement vers un show bien plus mature. C'est d'ailleurs souvent le cas chez de nombreuses séries d'animation comme Wakfu pour ne citer qu'elle. L'épisode ne manque cependant pas d'humour, de moments épiques, en particulier avec la scène de poursuite en camion. Et surtout, d'événements ayant fait péter des câbles à de nombreux fans. Je ne vais évidemment pas spoiler, de peur de disparaître mystérieusement dans une explosion.
explosion de confetti. D'ailleurs, la fin de l'épisode se concentrant sur les funérailles de Kofmo m'a fait un petit quelque chose, alors que je ne connais tous ces personnages que depuis 2 épisodes à peine. C'est fou à quel point ils ont réussi à me conquérir en si peu de temps. Et je ne suis clairement pas le seul. On organise toujours une petite cérémonie quand quelqu'un a été corrompu. C'est le moins qu'on puisse faire pour honorer leur mémoire. Avant de conclure, je vous invite bien évidemment à regarder cet épisode 2, après l'épisode 1 bien sûr, c'est une série dont les épisodes se suivent. Mais en clair, The Amazing Digital Circus forge définitivement sa place comme le phénomène d'animation indépendante du moment. Au même titre que Has-Been Hotel que j'ai traité précédemment, The Amazing Digital Circus connaît son lot immense de fans en tout genre. Des créatifs ne manquant pas d'imagination pour inventer des théories, des mises en scène, des fanarts, des fanfictions, ou tout simplement des discussions passionnées autour de leurs ressentis sur les épisodes. Cette websérie met en lumière le pouvoir infini d'une communauté. On y retrouve des vidéos YouTube, des réactions comme des analyses, des TikTok de cosplay, des doublages de fans, évidemment de très nombreux dessins en tout genre, traditionnels, digitaux, des animations plus ou moins qualitatives, voire d'un niveau professionnel. Je ne vais pas par contre vous faire l'affront de vous parler d'une partie plus toxique, comme pour n'importe quelle œuvre de pop culture, se centrant sur le fanatisme, le harcèlement et le contenu pornographique, inévitable malheureusement. Mais ça, c'est plus concentré aux États-Unis. La France reste encore préservée de tout ça. Mais bref, passons. Glitch Production, du haut de ses 10 millions d'abonnés sur YouTube, a très bien compris les codes d'internet et ce que veulent réellement les fans. Qu'on s'adresse à eux, qu'on les comprenne et ils le rendent bien. Amazing Digital Circus est un phénomène mondial. Sans passer par les cases diffusion télévisée ou plateforme de streaming influente, ce qui est en soi une énorme avancée dans le monde de l'animation indépendante. Et tout comme Viv Zipop a sûrement influencé des centaines voire des milliers de jeunes créatifs, Gooseworks a dû apporter la même passion dans le cœur de ses spectateurs. L'animation nous rassemble et nous pousse à de grandes choses. C'est à nous, clé en main, de façonner l'avenir de ce médium, évidemment à l'échelle de chacun. En regardant, en soutenant financièrement, en diffusant et en parlant comme moi je fais, mais également en créant afin de rendre l'œuvre encore plus complète qu'elle ne l'aurait jamais été sans ses fans. The Amazing Digital Circus est un phénomène d'animation et j'ai hâte de ce que nous réserve la série. En attendant, je vais faire comme tout le monde et attendre la suite, tout en continuant d'en parler autour de moi, adulte comme enfant, car c'est que comme ça qu'une œuvre perdure dans le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, j'ai pris un énorme kiff à tourner une nouvelle vidéo phénomène que je vais pouvoir ajouter à la playlist avec Has-Been Hotel et Luvaboss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'ai toujours à cœur d'atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui peuvent, ma page Tipeee est disponible dans la barre de description si vous voulez me faire un petit don, ça me permettrait de m'aider à payer mon nouveau loyer. J'espère d'ailleurs que mon nouveau décor vous plaît. Bon, même s'il a plu toute la journée, donc les lumières, c'est pas encore ça. Enfin, n'oubliez pas la journée portes ouvertes avec l'Institut Artline le 25 mai pour découvrir les différents cursus et les intervenants, dont moi-même. Le lien d'inscription est dans la première ligne de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que vous n'avez pas trop attendu mon retour sur YouTube. Bon, après, 3 semaines, ça va. Mais en attendant, pour vous faire patienter, je me suis lancé un défi pour ce mois de mai, où tous les jours sur mes réseaux sociaux Insta et Twitter Fenizio, je me suis mis au défi de vous présenter 31 films d'animation trop peu connus. L'occasion pour vous de découvrir de nouvelles pépites. Mais bref, prenez soin de vous, regardez de l'animation indépendante, kiffez, créez, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine !